Horoscope Bélier du 14 septembre 2023. Bonjour, voici l'horoscope du jour, horoscope et amour. Cette position de Jupiter dans votre ciel vous donnera un bel équilibre conjugal qui ne sera guère perturbé par les écarts des autres. Vous serez pur et dur, désespérément incorruptible. Vous resterez indifférent aux orages que vous pourriez susciter chez les autres, amoureux transis ou femmes coquettes. Célibataire, les bons aspects de Mars favoriseront l'attirance sexuelle. Les succès seront grands auprès du sexe opposé. Quelle que soit votre situation actuelle, vous ressentirez le besoin de vous réaliser sur le plan amoureux. Horoscope Argent, côté finance, faites attention. Tout ira bien si votre situation est saine et équilibrée. Mais ceux d'entre vous qui ont accumulé des dettes ou des emprunts pourront avoir momentanément du mal à s'en sortir. Négociez avec votre banquier et vos créanciers, jonglez, mais surtout intervenez. Vous éviterez ainsi les problèmes graves. Alors que si vous laissez la situation pourrir, il sera plus difficile encore de la redresser. Horoscope santé. Avec un mélange complexe d'influences positives et négatives, vous jouirez dans l'ensemble d'une bonne santé avec toutefois de petits problèmes intestinaux. Privilégiez les aliments riches en magnésium, céréales, pain complet, pommes, et vous dominerez votre pathologie potentielle. Horoscope travail. Dans le domaine professionnel, c'est la rigueur qui paiera, soyez-en certains. Vous aurez la possibilité de consolider progressivement votre position grâce à une discipline stricte et à un respect scrupuleux des délais promis. Horoscope famille. En famille, il vous faudra trouver le juste milieu entre la prudence et l'audace, le conformisme et l'originalité. Ainsi, avec vos enfants, tâchez de leur imposer une certaine discipline tout en écoutant leurs revendications. Horoscope vie sociale. Vous bénéficierez d'un climat de compréhension et de bienveillance. Il permettra de trouver des terrains d'entente dont vous devez profiter, tant dans votre situation professionnelle que dans votre vie privée. Exposez vos idées, vos sentiments et vos pointes de vue. Ils seront bien accueillis.